Merci au collectif Minuit 12. Ces images de sécheresse et de ce soleil qui semble inexorablement s'intensifier viennent parfaitement illustrer le constat qui vient d'être fait sur la raréfaction des ressources en eau. Acte 5, dernier acte du forum, grande démission, appel à la bifurcation, quiet quitting. Vous en avez sans doute entendu parler car ces tendances de fond, les ambitions des salariés changent et nombre d'entre eux n'hésitent pas à prendre le large si leur entreprise ne répond pas à leurs attentes. Pour beaucoup, avoir un métier en accord avec ses convictions écologiques et sociales devient la condition sine qua non pour s'engager auprès d'une organisation ou d'une entreprise. Et vous, qu'y a-t-il derrière votre travail? Je vous propose d'écouter un panel de spécialistes pour nous éclairer sur cette question, qui sera modéré par Sophie de l'équipe IMS. Avant cela, nous allons accueillir pour la dernière improvisation d'aujourd'hui Louise Rasquin et Fabien Berger. C'est à vous pour l'improvisation. Quand même, je peux dévoûter le matériel. Bon, il me faut des compétences, je ne sais pas comment ça s'ouvre. Alors, je vais regarder votre dossier. Oui, donc vous êtes directeur de l'agence. C'est ça, oui. Alors, dites-moi s'il vous plaît, pourquoi vous voulez m'employer? Alors, je compte vous employer parce que, bah, comme vous le voyez, nous sommes en manque de personnel et nous avons besoin de trois secrétaires, un administrateur, un spécialiste IT et un directeur ressources humaines. D'accord, ça c'est votre besoin. Oui. Mais qu'est-ce qui m'intéresse, moi, dans votre entreprise pour que je vienne travailler chez vous? C'est tout ça. C'est tout ça. Oui. C'est tous ces postes-là, nous vous proposons de vous ouvrir pour un salaire bon, très attractif. Bon, pas les 7 postes, pas le salaire de 7 postes, mais on compte vous payer donc pour 3 salaires, 3 temps pleins et pour ce travail. J'aime pas la complexité, moi, dans les entreprises, parce que ça cache des choses très souvent. C'est très simple, vous voyez. L'infrastructure est extrêmement simple. Il n'y a pour l'instant rien. Voilà, et il faut tout faire, et nous comptons sur vous pour construire le... Encore une fois, quelle est votre motivation à me prendre chez vous, en dehors de vos besoins matériels de remplir des cases? Vos compétences et votre besoin urgent d'argent. C'est pas faux. Oui, mais oui, je sais que vous êtes endetté jusqu'au cou, que votre hypothèque va bientôt être appliquée, que vos enfants et votre femme sont partis avec quelqu'un de beaucoup plus friqué que vous. Et voilà, voilà pourquoi je vous offre ce poste pour 1500 euros bruts par mois. J'accepte. Eh bien écoutez, voilà, alors vous pouvez choisir, vous avez le choix dans tous les sièges qui sont là. Le siège que vous choisissez. Mais attention! J'ai un diplôme. Montrez-le-moi. Oh, formidable. Moi, je l'ai eu pendant mes études. Formidable. C'est l'état de... Mais quand on va faire 7 emplois en même temps, forcément, vous êtes obligatoirement l'employé. Vous êtes en fait le seul employé du mois. Allez, je vous en prie, installez-vous. Installez-vous. Et maintenant, au travail. Moi, je supervise. Sting. Voici le premier rapport financier de l'entreprise. Il n'y a que mon salaire. Hein. C'est bien. Bah, oui. Votre salaire, au moins, ça limite les dépenses. Maintenant, les recettes. Où sont les recettes? J'ai travaillé aux dépenses seulement là, pour l'instant. Je vais me mettre aux recettes. Et les recettes? J'ai une recette de cake aux olives. Non. Je veux savoir qu'est-ce que vous nous apportez comme budget entrant. Entrant? Oui. Avec quel argent allons-nous vous payer? Excusez-moi, mais c'est quoi votre rôle dans l'entreprise à vous? Mais...
dégoter, ça comme vous, vous rire. Ça des pigeons pour nous faire gagner de l'argent. Je me suis encore fait avoir. Oh, non, 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 non. Oui. Merci Louise Raskin et Fabien Berger pour cette improvisation très sympathique et parfaitement ciblée. Alors, après voyager, s'habiller, manger, voici maintenant travailler. Une activité effectivement au cœur de la transition vers une société durable. Lieu de rencontre entre l'individuel et le collectif, entre aspirations personnelles et valeurs collectives, actuellement en pleine transformation. Nous passons beaucoup de temps au travail. Au cours d'une vie, nous passons en moyenne 100 000 heures, ce qui représente l'activité de notre vie éveillée qui nous prend le plus de temps. Et pourtant, globalement, nous ne sommes que très peu engagés. Selon la dernière étude de la Société mondiale d'études, de la Société mondiale d'analyse et de conseil Gallup, le niveau d'engagement des travailleurs actuellement en place est de 23% au niveau mondial, 13% au niveau européen, 10% au Luxembourg. Cela pose question. Et c'est ce dont nous allons discuter avec nos quatre invités pour cette table ronde du dernier acte consacré au travail. Invités qui vont nous rejoindre successivement et qui vont se présenter à nous, à vous, chacun à leur façon. J'invite maintenant Gabrielle Pastel, étudiante au King's College à Londres et productrice du podcast Cause Toujours dans l'association Youth Forever. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à vous, Sophie, et d'ailleurs, merci de nous donner l'opportunité de nous présenter de la manière qui nous convient le mieux. Alors moi, je vais prendre cette opportunité à bras-le-corps et commencer par dire que je suis une jeune de 20 ans, enthousiaste et engagée. Et non, ce n'est pas antinomique, au contraire, parce que j'aime penser que pour une société plus juste et plus durable, il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas être défaitiste. Au contraire, il faut s'engager sur les questions du développement durable, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Aussi pour celle de l'égalité femmes-hommes ou pour plus de justice sociale, parce que si on ne s'engage pas, on va se coucher. Et c'est peut-être pour ça que je suis amenée à faire ma première table ronde dans un pays qui n'est pas le mien, histoire que vous compreniez pourquoi je suis si enthousiaste ce soir. Mes trêves de plaisanterie, à part ça, je suis étudiante en dernière année de double diplôme de management et espagnol à King's College à Londres. Et la raison, on y vient, pour laquelle j'ai été invitée ce soir, c'est car je suis la productrice du podcast Cause Toujours, le podcast qui met en avant les jeunes et les moins jeunes, parce que c'est ça l'intergénérationnel, qui s'engagent chacun à leur façon pour le développement durable. Ce podcast, il a été co-créé avec Jasmine Manet, qui est la DG Youth Forever. Et Youth Forever, c'est quoi? Déjà, c'est une association qui me tient beaucoup à cœur, mais c'est surtout la première association française qui travaille sur le triptyque jeunesse, entreprise, transition. Jeunesse comme loupe sur le reste de la société et levier de transformation, entreprise comme territoire de transformation et transition aussi variée qu'elle puisse être, que ce soit économique, écologique et surtout managériale. Et c'est avec cette association que j'ai écrit plusieurs articles sur la génération Z et leur rapport avec le monde du travail, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, pas encore au Luxembourg, mais ça viendra, histoire de comprendre qui est-elle cette Gen Z et quelles sont les transitions auxquelles doivent et devront faire face les entreprises. Merci Gabrielle. Je vous propose de vous asseoir. J'invite maintenant à nous rejoindre Gladys Costant, fondatrice et partenaire de l'agence de recrutement Go to Freedom, et également co-chair de la FR2S, la Fédération des recruteurs du Luxembourg. Gladys, c'est à vous.
Merci Gabriel pour cette introduction. Alors moi je suis moins jeune que Gabriel, comme vous le voyez, mais néanmoins je vais vous raconter une anecdote qui est venue comme étant assez naturelle quand on m'a demandé de me présenter. Alors je vais vous demander de faire un petit travail de flashback. On se remet tous dans les années 90-2000, plus exactement en avril 98. Et là j'ai un problème auquel j'imagine que vous n'avez pas été confronté vous-même. J'ai 17 ans, je suis en terminale, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et en fait, moi, je savais ce que j'avais envie de faire de ma vie. J'avais envie de cultiver des tomates au soleil, ça m'allait très bien. Mais ma mère, elle n'avait pas tout à fait la même ambition que moi. Elle me l'a fait comprendre. Elle m'a dit, mais non, Gladys, tu vas faire comme tout le monde, tu vas faire des études. Oui, mais lesquelles ? Et là, elle me dit, écoute, j'ai une solution pour toi. Tu prends le Minitel, oui, je me rends compte de ce que je vous dis, tu prends le Minitel et tu fais 36-15, trouve ta voie. Ok, je prends le Minitel, je fais 36-15, trouve ta voie et je passe une demi-heure à répondre à des questions que je trouve très alambiquées. Et finalement, ce test, il me dit quoi ? Il m'amène à me faire deux recommandations. La première, c'est il vaudrait mieux que tu trouves un travail intéressant, Gladys, parce que l'argent, c'est pas ta motivation première. Et puis la deuxième, c'est il vaudrait mieux que tu travailles pour toi-même, parce que manifestement, la hiérarchie et toi, ça fait trois. Et je dois vous le dire, en début de carrière, mes patrons me l'ont bien confirmé. Alors la moralité de l'histoire, c'est quoi ? C'est qu'on se retrouve 25 ans plus tard, comme ça tout le monde connaît mon âge. Et puis finalement, je suis très alignée avec cette jeune fille de 17 ans. Premièrement parce que je suis indépendante et ça compte beaucoup pour moi, d'où le nom Go to Freedom de ma société. Et puis dans le sens que je donne à mon travail au quotidien, en étant chasseur de tête, on a de l'impact sur la vie des gens. Moi, je suis aussi engagée dans la Fédération des chasseurs de tête à Luxembourg parce qu'on fait un métier formidable qu'il faut défendre néanmoins au quotidien. Et finalement, un conseil que je pourrais donner en étant chasseur de tête, c'est que c'est pas mal de se remémorer qui on avait envie d'être quand on était plus jeune, parce que finalement, quand on est aligné sur ses valeurs, ça nous permet de durer dans une carrière. Et moi, j'ai remarqué que les gens qui duraient, qui étaient épanouis, parce que c'est quand même le but d'être épanoui au travail, sont quand même très alignés sur leurs valeurs. Et puis finalement, une dernière moralité de cette histoire qui est peut-être la plus importante, même si elle nous énerve très fort, en tous les cas la mienne, écoutez vos mères. Merci Gladys. J'invite maintenant à nous rejoindre Saskia Witswisen, Senior Manager Growth and Certification chez Billab Benelux. Saskia, vous pouvez vous mettre plutôt ici. C'est le jour de mon entretien d'embauche à Billab. On est en plein Covid, du coup je suis à la table de la cuisine. Et il fait moche dehors, et évidemment, je suis un peu nerveuse, c'est un entretien d'embauche, après tout, hein, on est tous passés par là. Et en plus, il faut que je le fasse en néerlandais, c'est pas ma première langue. Et en plus, il y a un aspect du rôle qui est un peu vente, un peu commercial, et j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. Donc, je suis un peu sur les nerfs. Mon écran s'allume, la directrice de Billab Benelux apparaît, et on commence l'entretien, ça se passe bien, on a un bon clic, je sens qu'on partage les mêmes valeurs. Et là, la question tombe. Est-ce que vous sentez-vous confortable dans une interaction commerciale ? Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, j'ai une réponse à cette question. Et la réponse est oui, si je crois en ce que je vends. Et quand je regarde toute la carrière que j'ai eue pour le moment, donc behind your job, vraiment, je me rends compte que tous les rôles que j'ai eus, j'ai croyé profondément en ce que je faisais. Je croyais, j'avais la conviction et les mêmes valeurs de l'organisation, de la mission où j'étais. Et c'est un vrai privilège, hein, je me rends compte. Donc j'ai eu la chance de travailler avec une ONG qui faisait de la résolution de conflits en Centrafrique. Ensuite, j'ai pu travailler avec des entrepreneurs pour les aider à devenir plus durables et plus inclusifs, donc, et en Centrafrique aussi, et en Europe. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec Billab pour continuer notre vision d'une économie plus durable et inclusive aussi. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Mais la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est que, comme disait Gladys, d'être droit dans ses baskets, comme j'aime bien dire, ça aide à rester engagé, ça aide à rester motivé, et ça aide à rester, bien sûr, sur le long terme dans un rôle. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que le sujet d'aujourd'hui est très important, comment on garde l'engagement des employés dans une entreprise. Et voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Saskia. Et j'invite maintenant à nous rejoindre notre dernier invité, Pierre-Éric Setter, psychothérapeute, psychologue du travail, chercheur en sciences sociales.
Quoi ? Requiem pour les temps futurs ? Oh my God ! Requiem pour les temps futurs, c'est le trait d'union entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, Requiem pour les temps futurs ? Sur ma vie personnelle, c'est une œuvre musicale que j'ai composée, un Requiem. Pourquoi j'ai composé un Requiem ? J'ai composé un Requiem parce que ça renvoie à ma vie professionnelle. C'est moi le doyen, vous avez vu, j'ai les yeux gris, 30 ans d'expérience professionnelle, on en reparlera. Dans ma vie professionnelle, j'ai des gens qui s'appellent des éco-anxieux et qui me disent Requiem pour les temps futurs. Alors ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, il a fallu que je trouve des solutions pour gérer ma propre peur, parce que les éco-anxieux, même si ce n'est pas une maladie, ça, c'est transmissible. Et ça peut rendre très malade, on va le voir. Et donc, ces gens-là m'ont dit, attention, le monde est en train de s'effondrer. Moi, je regardais par la fenêtre, je ne voyais rien. Le monde, il était là, et je leur disais, mais le monde, il est là, il n'est pas en train de s'effondrer. Et ils m'ont dit, attention, vous n'avez pas les bonnes lunettes pour voir le monde. Est-ce que vous avez pu voir cet après-midi avec IMS, c'est d'avoir les bonnes lunettes pour regarder le monde, comment il est aujourd'hui. Grâce aux chercheurs, grâce aux experts qui se penchent au chevet du monde, comme moi je me penche au chevet des humains, qui ne trouvent plus le sens de leur existence, soit au travail, soit en tant que terrien. Et moi, mon travail en tant que psychologue à la fois en entreprise et au chevet des patients, c'est de redonner du sens à l'existence, sens au travail et sens à l'existence, en faisant de la peur de l'éco-anxiété une peur qui immobilise à une peur qui mobilise. Merci. Merci beaucoup. Pierre-Éric, j'aimerais commencer cette table ronde avec vous par une illustration tirée d'un article que nous avons eu l'année dernière dans notre magazine Sustainability Mag d'IMS, une illustration qui évoque ce qu'on peut appeler le burn-out du colibri, qui symbolise en fait le sentiment d'impuissance ressenti par celles et ceux qui s'engagent à un niveau individuel, multipliant les petits gestes qui comptent, telle la fameuse légende du colibri, le petit oiseau qui fait sa part en transportant de l'eau pour éteindre le feu, tant d'efforts déployés pour un impact jugé infime à l'échelle des enjeux. Et en fait, ces sentiments d'impuissance et d'épuisement conduisent de plus en plus à des situations de déconnexion, de désarroi, quant au sens du travail. Pouvez-vous nous décrire comment cette situation se manifeste dans votre domaine ? Tout à fait. Alors, ce qui est étrange, c'est que le sens du travail et le sens de la vie, c'est un peu la même chose. On peut perdre le sens de son travail et le sens de la vie parce qu'il y a trois conditions pour le sens. C'est une orientation, une signification et une perspective existentielle. Quand vous avez une direction d'entreprise qui décide de changer de stratégie, on peut se sentir totalement désorienté par la nouvelle orientation stratégique. On était bien dans son travail, on avait une bonne direction, des objectifs clairs, une perspective même de trajectoire de carrière. Tout d'un coup, ça change et on est désorienté. Et se pose la question de se dire, est-ce que je dois changer d'environnement ou changer l'environnement de mon entreprise pour me mettre en phase avec cette direction ? Deuxième point, la signification. Parfois, on a des objectifs qui sont, on va dire blancs, et puis on constate que c'est noir quand on est à notre poste. Et en fait, le problème de signification, c'est parfois des différences entre le fond et la forme qui vont amener à des injonctions paradoxales. Comme par exemple, comme on l'a vu d'ailleurs, c'était très bien vu par nos deux acteurs improvisateurs, c'est « Ah ben, vous avez réussi vos objectifs, c'est super, donc on va vous augmenter les objectifs et baisser les moyens que vous aviez. Ben » Pourquoi ? Mais parce que vous créez de la valeur. Et on va en créer encore plus en baissant vos moyens. WTF. Et troisième point, une perspective existentielle ou une finalité existentielle. Quand on perd le sens des valeurs auxquelles on croit et qui ont été changées par une réorientation stratégique d'une entreprise, on ne peut plus du tout parfois y retrouver ses petits. Hein. Quand on avait par exemple un désir de qualité, qu'on était venu dans un travail pour être... pour justement donner de la qualité à son employeur, et que cet employeur dit, ben non, finalement, tu sais quoi, on va arrêter la qualité, on va passer dans une logique de quantité. On va supprimer plein de postes, comme ça a été très bien dit. Et voilà,
on va t'enlever des moyens et des objectifs. Et donc, on ne peut plus faire de qualité. Et si on a une valeur qui nous fixe un seuil de qualité qui est là et que l'employeur le fait descendre, on est mal à l'aise tous les matins en venant à son travail. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut perdre le sens de son travail et qu'on va vivre une crise de sens qui va être existentielle. Merci. Gabriel, comment réagissez-vous à ce que vient de nous partager Pierre-Éric par rapport justement aux nouvelles aspirations de la génération Z? On parle effectivement d'un certain nombre, beaucoup d'études internationales ont partagé les dernières aspirations de la génération Z. On parle effectivement de convivialité, de flexibilité, d'autonomie, de sens, quête de sens et soif d'apprendre. Et en fait, ces aspirations, on se rend compte, se révèlent souvent être en décalage en fait, avec le monde du travail actuel. Comment est-ce que cela fait sens ou fait écho à votre expérience, votre engagement? Alors moi, pour répondre à votre question, Sophie, j'aimerais bien revenir sur cette image. Parce qu'en fait, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle montre très bien la transformation du rapport de force. On voit un jeune qui fait comprendre à son employeur que finalement, la décision finale sur son embauche ne revient qu'à lui. Face à lui, on le voit, son potentiel employeur en panique. Après, ça ne montre pas tout. Il y a deux choses que ça ne montre pas, et c'est comme ça que je vais répondre à votre question. La première, c'est que ce jeune, il n'est pas représentatif de toute sa génération. C'est comme moi, finalement, j'ai 20 ans, mais je ne peux pas m'exprimer pour tous les jeunes de 20 ans. Parce que oui, on fait partie d'une même génération, mais ce n'est pas pour autant qu'on vit les mêmes choses. On n'a pas les mêmes expériences de vie, etc. C'est comme... Voilà, on va revenir à ça. Le jeune qui est là, il ne peut pas s'exprimer pour des jeunes plus précaires, moins diplômés. Des jeunes pour qui le salaire reste la première priorité, et ça bien avant le bien-être au travail. Parce que je ne vous apprends rien, aujourd'hui on vit une crise de l'emploi qui touche beaucoup les jeunes. Pour vous donner un chiffre, en France d'où je viens, c'est un jeune sur cinq qui est au chômage. Au Luxembourg, vous faites un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Et finalement, même quand on regarde le leader de l'OCDE, c'est un jeune sur 25, donc certes, beaucoup moins. Mais parmi les 24 qui restent, il y a la moitié qui survit CDD après CDD. Donc même eux, ils n'ont pas la sécurité de l'emploi. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de premier de la classe quand on parle de jeunes et de chômage. Ensuite, la deuxième chose qui est caduque, c'est que ce jeune, ça pourrait être un vieux. En fait, ça pourrait être n'importe qui. Parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte que ce soit la grande démission ou le quiet quitting, en fait, ça concerne tout le monde. Et peut-être que les jeunes, c'est les plus audacieux dans la manière de le dire. Et encore, celui qu'on voit là, il me paraît assez courtois. Mais ça concerne tout le monde, donc non, c'est pas un truc de jeunes. Donc finalement, est-ce que ça ne montrerait pas autre chose? Moi, j'ai l'impression que ça nous montre la nouvelle relation qui doit exister entre l'employeur et l'employé. Et j'irais même ce projet commun qui doit exister. Parce qu'un projet commun, c'est donnant-donnant. Un projet commun, c'est je te donne, tu me donnes. Ou plutôt, tu me donnes, entreprise, donc je te donne. Et je vais te donner beaucoup parce que j'aurais été ravie que tu me fasses confiance. Et encore plus si je suis un jeune, justement. Un projet commun, il n'y a pas de rapport de force. Moi, mon projet commun de rêve, c'est celui où l'entreprise me forme à faire des choses en accord avec mes valeurs. Et vous le ferez. Vous le ferez non pas pour des raisons éthiques, mais pour des raisons économiques. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Harvard Business Review qui nous dit qu'un employé qui croit en la raison d'être de l'entreprise, il est deux fois plus productif qu'un employé qui n'y croit pas. Et justement, c'est les plus convaincus qui vont mener cette transition. Merci. On va revenir un petit peu sur la cause de cette perte de sens au travail, qui est le sujet de cette table ronde. On a commencé avec Pierre-Éric en parlant de l'éco-anxiété. Saskia, je me tourne vers vous maintenant. La crise de sens au travail a des causes écologiques, mais finalement à d'autres causes. On peut parler de plusieurs niveaux, plusieurs explications de causes. Il semble que le système économique contemporain semble être de plus en plus déconnecté en fait, des réalités écologiques,
sociale, humaine. Est-ce que c'est pour faire face à ce constat que le mouvement Bicorp a été créé ? Merci Sophie pour la question. Alors certainement on voit, bon, on entend le terme polycrise hein, souvent, je pense que ça reste encore une réalité entre la crise environnementale, la crise sanitaire et puis bien sûr la crise sociale. Je pense qu'on est quand même de plus en plus déconnectés l'un des autres. Moi je viens des Pays-Bas où c'est particulièrement le cas, j'ai envie de dire. Et toutes ces crises se rejoignent en fait dans moi ce que je pense est une crise des valeurs. Qu'est-ce qu'on décide de valoriser en tant que société ? Est-ce qu'on décide de valoriser des bonnes relations ? Est-ce qu'on décide de valoriser un salaire plus élevé ? Est-ce qu'on décide de valoriser plus de temps libre ? Tout ça, c'est des vraies questions qu'on doit se poser et qui en fait guident tout ce qu'on décide de faire et en fait sont à la source de beaucoup de ces crises au final. Je pense que le mouvement Bicorp en fait est émergé en partie dans ce contexte-là de réalisation qu'il y avait une crise des valeurs. Sans partir dans l'origine du mouvement, ce que je peux dire, c'est que quand ça a été créé il y a 17 ans, c'est parti d'une réalisation que l'entreprise devait faire plus pour protéger ses valeurs et notamment passer d'une focalisation sur le rendement vers l'actionnaire, vers toutes les parties prenantes. Et ce qu'on voit donc dans la certification Bicorp, c'est une considération holistique de toutes les parties prenantes, dont un des piliers est les employés. Donc on a toute une analyse sur comment l'entreprise gère ses employés et comment on crée justement un projet commun ensemble. Voilà. Merci Saskia. Gladys, avec vous, regardons maintenant de plus près ensemble la situation au Luxembourg. Dans l'illustration que nous allons voir dans quelques secondes projetée derrière nous, il est indiqué qu'un employeur sur quatre, un employé sur quatre au Luxembourg qualifierait de élevé ou de très élevé la probabilité qu'il change d'employeur dans l'année. Quelles évolutions, effectivement, voyez-vous au Luxembourg ? Comment réagissez-vous à cette illustration ? Alors, on a l'habitude à Luxembourg d'être taclé sur notre manque d'engagement et qui est aussi lié à l'industrie financière qui est largement représentée à Luxembourg où, finalement, créer de l'engagement dans des jobs qu'on pourrait considérer peu sexy, voire pas intéressant. Ça demande une certaine créativité aux employeurs. Et je voudrais quand même te rassurer sur le fait qu'il y a de la place pour les jeunes à Luxembourg et qu'on est très, très demandeurs de jeunes. Donc, je lance un message. Si en tant que jeune, vous avez envie de postuler à Luxembourg, il y a vraiment une grande demande. Puisque peut-être un chiffre que j'avais envie de vous communiquer pour illustrer la problématique hein, de pénurie de talents qu'on a à Luxembourg et qui est d'ailleurs pas seulement luxembourgeoise, qui est aussi européenne, voire mondiale. À Luxembourg, on a besoin de 300 000 personnes à horizon 2030 si on veut préserver notre modèle économique. Donc tu vois, les jeunes ont leur place sur le marché du travail. En Suisse, c'est 400 000 personnes. Au Canada, c'est 700 000 personnes. Et même si on se rend compte qu'aujourd'hui, on rentre dans une économie un peu plus ralentie, néanmoins, compte tenu de ces aspects démographiques et d'une population vieillissante, le marché est orienté candidat. On a fait une étude avec la Fédération professionnelle des chasseurs de tête. Il faut savoir que 90% des candidats ont trop d'opportunités. Ça veut dire qu'un candidat qu'il cherche ou qu'il ne cherche pas, il a le choix. Alors toute la question, c'est de savoir, est-ce que tout le monde a le choix ? Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a différents types de discrimination, alors qui touchent les jeunes dans une certaine partie, je pense, avec un certain niveau de diplôme, mais qui se touche surtout les seniors. Et finalement, toute cette problématique qu'on a de pénurie, on la crée nous-mêmes, puisqu'on va aller vers des candidats qui ont tous le même profil, à un moment donné, sur une compétence donnée, et on va créer une inflation des salaires à Luxembourg qui est assez catastrophique en termes de compétitivité. Donc il y a une vraie alerte à lancer sur ce point-là. Et vraiment aujourd'hui, je lance un autre message sur le besoin des entreprises d'ouvrir leur chakra en termes de diversité. Au niveau des femmes, c'est sûr, même si je pense qu'au niveau de l'industrie financière, les femmes ont toute leur place. Mais en tous les cas, au niveau des seniors, on y est vite parce que juste un chiffre à 45 ans à Luxembourg, on bénéficie d'aide de l'État pour être réembauché. Gladys, je vous propose de continuer. Vous avez évoqué effectivement ce changement d'une nouvelle relation, justement, employeur-employé. Et effectivement, on voit ici une autre illustration où l'on peut lire télétravail à volonté, horaire flexible, vélo électrique, jus d'orange, etc. etc. Comment
Jugez-vous, estimez-vous que cette illustration illustre véritablement bien le changement qui est en train de se dérouler sur le marché du travail ? C'est une réalité. Aujourd'hui, les candidats ont, et ça c'est un effet Covid, le Covid a transformé le rapport au temps des gens. On n'a pas envie de profiter demain quand on sera vieux, mais on a envie de profiter maintenant. On a aussi envie d'avoir un rapport à la liberté. Donc c'est vrai que les gens ont envie de travailler un petit peu quand ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. Et l'entreprise, je crois, l'a bien compris de manière générale. Les employeurs font quand même beaucoup d'efforts pour s'adapter. Et tout ceci a un impact sur la culture des entreprises et notamment sur le management. Finalement, un des points positifs du télétravail, c'est qu'on met fin à une culture qu'on trouve beaucoup en France et ailleurs aussi, du présentéisme. On arrête cette grande comédie humaine où on fait semblant d'être très occupé. On les voit tous, ces gens qui passent dans les couloirs très occupés, jamais libres. Et finalement, avec le télétravail, on met beaucoup plus en valeur, contrairement à ce qu'on pense, la performance. Et cette culture de la performance a été rarement accompagnée dans les entreprises au niveau managérial. Et finalement, ça s'accompagne aussi d'une culture managériale de la bienveillance et non pas de la complaisance. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de manière générale, compte tenu de cette pénurie de candidats, on voit de plus en plus de managers qui ont du mal à adresser un vrai feedback sincère aux gens, enfin à leurs managers. Or, c'est ce qui fait avancer les salariés, c'est ce que recherchent les salariés de manière générale, une proximité, une sincérité avec leur employeur. Donc, je pense que ça, c'est un des effets positifs à retenir du Covid s'il est bien accompagné. Alors, vous, Gladys, vous utilisez effectivement cette expression, vous parlez donc d'un nouveau pacte employeur-employé. Un peu auparavant, Gabriel, vous avez utilisé cette expression d'un nouveau projet commun, vous avez même parlé de votre nouveau projet commun de rêve. Comment pensez-vous que ce nouveau pacte, ce nouveau projet commun, comment peut-il être activé dans les organisations ? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle gouvernance ? Comment voyez-vous les choses ? Alors, pour répondre à votre question, Sophie, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice, justement, parce que moi, j'adore les exercices de... Enfin, les exercices à partir du moment où ce n'est pas des exercices de maths, finalement. J'aimerais qu'on fasse un vote à main levée. Et d'ailleurs, cet exercice, il ne vient pas de moi, il vient de Samuel Durand, qui est un autre conférencier sur le futur du monde du travail. Avec le public, du coup, un vote à main levée pour savoir quelle est la raison pour laquelle vous travaillez pour votre entreprise entre la mission, les conditions de travail et le métier. Donc ceux qui votent pour la mission, les conditions de travail, vous pouvez répondre aussi. Plusieurs fois. Oui. Allez-y, allez-y. Et les métiers, en majorité... Après, on peut pas. Enfin, la majorité répond la mission. C'est normal parce que la mission, c'est vos convictions personnelles. Et c'est pour ça qu'on dit que l'entreprise, c'est un territoire de transformation. Nous, on a un chiffre qu'on répète beaucoup chez Youth Forever, qui est le fait que parmi les 100 plus grandes organisations, 89 sont des entreprises. Je vais vous en donner un autre. Il n'y a que 3 pays qui ont un PIB supérieur à la valorisation boursière d'Apple. Ajoutez à cela toutes les institutions qui sont en crise, que ce soit scolaire, ou même politique, médiatique, enfin bon, je ne vais pas vous faire la liste, mais finalement tout ça pour vous dire que tout ce qui nous reste, c'est l'entreprise, de toute façon vous l'avez très bien compris. Et l'entreprise, elle doit être exemplaire. Elle doit être exemplaire, non pas pour une question d'acquisition de talent, mais de rétention de talent. Parce que pour prendre une B Corp, on va prendre Danone par exemple. Si demain je suis embauchée chez Danone, qu'est-ce qui me fait rester ? Qu'est-ce qui me fait réellement m'engager ? Moi je suis persuadée, on parlait de gouvernance, je suis persuadée que justement c'est l'alignement. L'alignement entre ce qui a été dit et ce qui se passe vraiment. Parce que c'est simple, si demain il y a une différence, moi à l'image de la Gen Z, je regroupe mes affaires et je démissionne. Parce que si je ne travaille pas pour vous, je travaillerai ou pour votre concurrent ou pour moi-même. Et votre concurrent, il y aura des valeurs bien plus en accord avec les miennes. Et c'est pour ça qu'on dit que l'entreprise, elle est de plus en plus politisée.
Pour vous donner un chiffre, aux États-Unis, il y a 7 jeunes sur 10, donc c'est énorme, qui considèrent que l'entreprise ne prend pas assez en compte le développement durable. Et d'ailleurs, ce que je vous dis, ça me rappelle un des épisodes que j'ai réalisé avec la cofondatrice d'Open Climat. Open Climat, c'est un site internet qui permet de mettre en perspective la performance des entreprises avec la trajectoire climatique du GIEC. Et c'est des outils comme ceux-là qui vont nous permettre de réellement voir, de réellement remarquer le greenwashing, mais surtout de voir si l'entreprise s'engage réellement, non pas à travers ce qu'elle dit, mais plutôt à travers ce qu'elle fait. Alors, Gabriel, je propose, votre réponse fait une très belle transition. On a beaucoup parlé là du constat, du changement de paradigme. J'aimerais qu'on montre une nouvelle illustration avec voilà, notre colibri. Pierre-Éric, notre colibri, là, il soupire. La part du colibri, c'est chaud quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce colibri? Y a-t-il quand même un peu d'espoir? Oui. Même si la situation laisse porter au pessimisme, on doit toujours garder une espérance parce que le futur, ou plutôt l'avenir, n'est jamais écrit. Même si le futur peut paraître peu désirable. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Gabriel, les chercheurs en psychologie ont démontré un truc très important pour être bien dans sa peau et bien dans son poste surtout, donc bien au travail. Il faut d'abord trouver ces trois mots-clés, hein, sens, engagement et satisfaction. Donc ça rejoint le sondage, c'est intéressant. Donc le sens, on a vu ce que c'était, hein, c'est trouver une orientation qui nous va bien, relative à une signification où il n'y a pas d'incohérence, et puis donc une perspective existentielle, donc des valeurs auxquelles on croit et qui nous permettent de nous aligner avec l'entreprise, ou au contraire de se désaligner, donc de partir pour en voir une autre. Et ça, clairement, les éco-anxieux, en tout cas pour ceux qui sont un peu, pour moi je vois bien un éco-anxieux me dire ça, hein, qui sont tentés par la bifurcation. C'est-à-dire de dire, je fais pas du quiet quitting, je le fais vraiment bruyamment, je démissionne de mon poste pour trouver un job qui fait sens pour moi et pour lequel je vais pouvoir m'engager, c'est-à-dire mobiliser mes compétences. D'accord ? Des compétences ni trop élevées ni pas assez élevées, mais des compétences en phase avec ce que je connais de moi-même, ce qui sous-entend de se connaître d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, si je peux mobiliser mes compétences pour un boulot, une mission qui fait sens pour moi, je vais forcément en retirer la satisfaction, ça va reboucler sur le sens. Parce que le cercle vicieux du mal-être, c'est exactement le contraire. C'est si je ne vois pas le sens de ma mission, je vais me désengager et je vais être fortement insatisfait et ça va reboucler sur le non-sens et ça va m'emmener vers la spirale du mal-être et voire de la dépression, en passant par le burn-out pour ceux qui voudraient s'investir, se surinvestir et avoir l'impression de compter. Parce qu'il y a en nous quelque chose qui est très important, nous les êtres humains, c'est qu'on est des animaux sociaux, comme l'a dit Aristote, et il y a un truc qui compte beaucoup pour nous et qui contribue à notre estime de soi, c'est l'utilité sociale. Et aujourd'hui, on a une vraie opportunité de réenchanter notre travail par rapport au diagnostic qui a été fait ici. Réenchanter notre travail, comment ? En redonnant du sens à nos missions par rapport au grand danger qui nous menace, requiem pour les temps futurs. C'est-à-dire de se dire, moi-même, avec aussi petit colibri je sois, je peux contribuer à changer les choses. Alors, bien sûr, au niveau individuel, hein, dans mes éco-gestes, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas sauver la banquise tout seul avec ses petits bras musclés. Donc, il faut compter sur les autres aussi, mais aussi les institutions. Et je voudrais, si j'ai un peu de temps, vous raconter une histoire. Combien de temps il me reste ? Très, très peu. C'est celle de Félix... J'ai beaucoup de messages dans mon oreillette. On a largement explosé notre timing. D'accord. Hein. Félix Finkbeiner. On fera une conclusion plus courte. C'est un jeune Allemand qui, à l'âge de 9 ans, est effrayé. Il est écolier, donc comme vous l'avez compris, futur travailleur, mais effrayé par la déforestation de la forêt amazonienne. Et il se dit, quand je serai grand, je planterai 1 milliard d'arbres. Alors tout le monde lui dit, écoute mon gars, tu retournes à tes études, hein, parce que c'est gentil, mais tu ne vas pas y arriver tout seul. Et il y a une personne qui croit en son projet, c'est son maître d'école, et lui dit, tu vas commencer ton premier arbre en le plantant dans la cour de l'école. Et tu vas voir, on va t'aider. Tes petits collègues, tes petits camarades, pardon, et moi, et tu vas planter ton premier arbre. 4 ans après, on le voit à la tribune de l'ONU et présenter son projet et obtenir les subsides qui lui a permis finalement, in fine, 10 ans plus tard, de planter 14 milliards d'arbres.
Donc vous voyez bien qu'un projet individuel, quand il est accompagné d'une dimension collective et sociétale, quand c'est aligné comme ça, on arrive à faire des choses extraordinaires pour la planète. Et là, je peux vous dire que son investissement prend tout son sens. Absolument. Merci pour cette histoire. Elle est très belle et effectivement pleine d'espoir. Du coup, je me tourne vers vous, Saskia et Gladys, parce qu'effectivement, voilà, le lien entre l'individuel et le collectif, eh bien finalement, n'est-ce pas l'entreprise ? Comme on le disait, l'entreprise, c'est vraiment le lieu qui est censé réunir, réconcilier l'individuel et le collectif. N'est-ce pas finalement un levier de changement puissant entre le gigantisme des États, les initiatives individuelles qui peuvent effectivement être perçues comme difficiles ou à impact faible. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'entreprise qui est ce levier de changement puissant et qui peut redonner l'espoir plus tangible d'un changement en commun dans lequel on peut tous contribuer ? Comment, Saskia, vous pouvez illustrer cette affirmation ? Je pense que c'est un gros projet pour l'entreprise, on ne va pas se le cacher quand même. Et en même temps, je pense que c'est là où sont toutes les opportunités, en réalité. On vient de l'entendre, c'est très important pour la productivité, mais aussi pour le bien-être personnel d'être engagé au travail. Ça a tout son sens. Je pense qu'il faut quand même mentionner peut-être en deux mots le fait qu'on voit une société qui est de plus en plus automatisée aussi, où on a de plus en plus de solutions automatisées ou robotiques. Donc en fait, pour moi, c'est pas forcément... il y a un côté risque, bien sûr, mais il y a aussi une énorme opportunité de pouvoir, nous, se focaliser en tant qu'être humain sur ce qui nous rend profondément humains au travail. Donc, qu'est-ce qu'on peut amener comme valeur humaine dans le contexte du travail et de justement retrouver des communautés fortes, parce qu'au final, comme vous dites, nous sommes des animaux sociaux qui peuvent s'entraider et créer des projets ensemble qui nous donnent de la joie et qui nous donnent une raison de venir au bureau, en fait, et de travailler ensemble là-dessus. Donc, l'entreprise est un lieu pour ça, dans mon esprit. Oui. Merci. Et Gladys, en tant que chef d'entreprise et d'une entreprise qui est justement fait partie des entreprises certifiées Bicorp au Luxembourg, comment activez-vous cela ? Comment travaillez-vous avec cette problématique ? Déjà, merci pour cette question, Sophie, parce que je l'ai trouvée très belle et très joliment posée, juste pour vous donner un petit feedback. Alors nous, on est effectivement certifié Bicorp et ça comptait pour nous en tant que chasseurs de tête, déjà dans l'engagement qu'on a au sein de GoToFreedom, où on permet pas mal de flexibilité. On a mis en place la semaine de 4 jours et demi chez GoToFreedom. On travaille beaucoup sur l'engagement dans la durée, puisque même si on a besoin de profiter du temps maintenant, ça n'empêche qu'il faut savoir proposer un projet d'entreprise durable aux gens qui travaillent. Ça, c'est important. Et puis surtout, on en profite en tant que chasseur de tête pour faire passer ces messages auprès de nos clients, et on milite beaucoup pour le recrutement durable. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire confiance aux gens et investir dans les gens, comme tu le disais très bien, de telle manière à ce que les employeurs arrêtent de recruter des candidats qui sont plug and play, puisqu'on a 100% de nos clients qui nous disent « Ah mais moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit tout de suite opérationnel parce que je n'ai pas le temps de le former. » Et j'ai beau le répéter, mais ça n'est pas du tout vendeur et c'est pas du tout aligné avec avec les sites internet des sociétés qui promettent à tout le monde qu'elles seront le cœur de leurs priorités. Et finalement, ne pas être aligné sur people do matter, on met l'humain au centre de nos priorités, c'est absolument catastrophique pour son employeur branding, mais pour vraiment le contrat de confiance entre les employeurs et les employés. Merci. Merci Gladys. Alors effectivement, notre tour de table, notre discussion touche déjà à sa fin. Quel est, pour conclure, le dernier message, en un mot, que vous pourriez partager à notre audience, ici en salle, en ligne ? Gabriel, je commence par vous. En un mot, c'est dur. Mais d'ailleurs, on le disait, on est tous français, on va beaucoup... Voilà. Moi, au départ, j'avais envie de vous dire, écoutez-nous. Mais en fait, c'est pas avec ça que j'ai envie qu'on ressorte de cette table ronde. Enfin, si, entre autres. Mais d'abord, engagez-vous. Parce que c'est à vous, c'est vous nos modèles. On grandit tous avec des aspirations. Et votre responsabilité, c'est ça. C'est d'être nos modèles pour qu'à notre tour, on puisse s'engager, pour que vous nous montriez la voie, pour qu'on fasse de même. Mais en fait, j'aimais bien aussi mon écoutez-nous. Donc, je vais vous dire... écoutez-nous aussi et écoutez cette jeunesse qui a plein de choses à dire. Et d'ailleurs,
un des moyens de l'écouter, cette jeunesse, c'est entre autres avec le podcast que c'est toujours, qui les met en avant, ces jeunes qui sont inspirants, qui ont plein de choses à dire. Donc écoutez-nous et engagez-vous. Merci. Voilà, merci. C'est parfait. Pierre-Éric. J'ai commencé en disant Requiem pour les temps futurs. J'ai envie de terminer en disant Espérance pour l'avenir. Voilà, ça sera tout. Merci. Comme quoi un français peut être synthétique. C'est vrai. Gladys. J'aborderai les choses en disant que tout ce qui se passe aujourd'hui et surtout demain, c'est notre responsabilité à tous. Et comme c'est un petit peu très général ce que je dirais, en tant qu'employeur, injectez de la durabilité dans vos projets d'entreprise. Et en tant que candidat ou salarié, ne considérez pas le travail comme un bien de grande consommation. Pensez aussi long terme. Merci. Saskia. Beaucoup de choses très vraies qui ont déjà été dites. Je rajouterais à ça que l'engagement et la joie d'être au travail, c'est contagieux. Donc, quand on commence sur un projet qui nous tient à cœur, on attire beaucoup d'énergie souvent et beaucoup de gens qui veulent venir aider. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez quelque chose qui vous parle, ben, lancez-vous. On n'a qu'une vie après tout. Merci. Un grand merci à vous. Super. Merci Sophie, merci à tous les intervenants. Donc, on retrouve Charlène Descollonges. Vous êtes, je le rappelle, hydrologue pour ceux qui nous rejoignent en cours de programme. Alors, faire attention à ses impacts pour une entreprise, c'est clé, on l'a vu. C'est quand elle génère un impact positif finalement, que les salariés vont être davantage intéressés pour la rejoindre et pour y rester, particulièrement au niveau des jeunes générations. Alors, dans les impacts, il y a l'eau, donc on va faire notre focus là-dessus. Sur la question de l'eau, alors, comment une entreprise peut-elle agir, donc être exemplaire, comme il a été dit, comment est-ce qu'elle peut agir concrètement? Elle doit commencer par évaluer son empreinte eau, c'est ça, la méthodologie? On peut commencer par là, en se disant, dans mon modèle d'entreprise, où est l'eau? Où est-ce qu'elle a sa place? Est-ce qu'elle est visible ou est-ce qu'elle est invisible? Aujourd'hui, il existe cette norme ISO 14046 qui permet de donner une méthode sur comment on calcule l'empreinte eau d'un produit. Seulement, cette méthode ne tient pas compte de l'eau verte. On en a parlé en tout début d'après-midi, cette eau verte dont la limite planétaire a été franchie. Donc, intégrer la question de l'eau verte, faire ce calcul comme une analyse de cycle de vie, mais au-delà des chiffres, parce qu'on en est noyé, si je puis dire, on a l'empreinte carbone, on a l'empreinte eau verte, on va avoir l'empreinte biodiversité. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé cette table ronde, c'est la question du sens et c'est la question de la transversalité. Moi, l'histoire que je raconte autour de l'eau, c'est de dire que l'eau relie à la fois cette question du carbone qu'il faut stocker dans les sols, qu'il faut préserver dans les arbres, et c'est aussi l'eau qui accueille une biodiversité. Donc, la question de l'eau ne se limite pas qu'à l'empreinte eau, même si elle est très importante, évidemment, mais on a aussi besoin d'agir sur ces 9 limites planétaires et sur ce modèle régénératif qui est en train d'être posé. Oui, de façon systémique, donc. Est-ce que vous avez en tête un exemple de filière ou d'entreprise qui a agi, qui a des bonnes pratiques en la matière? Oui, alors il y en a plein, et puis je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous aujourd'hui, et puis qui nous écoutent, qui ont ces modèles régénératifs, justement. Alors le modèle régénératif, c'est qui tient compte des 9 limites planétaires et des 12 planchers sociaux, c'est ce modèle Donut, et aussi qui place du coup la gouvernance au centre de ce changement de paradigme et de cette transition. Donc il y a cette petite entreprise française qui est basée en Bourgogne, Ulteria, qui fait du mobilier urbain avec du bois et qui est complètement à visée régénérative, alors qu'il ne l'est pas, mais qui est à visée régénérative. On a aussi une filière agroalimentaire, agro-sourcing, qui
vise à régénérer les sols et les cycles de l'eau avec les producteurs de fruits à coque. Et on a plein d'autres entreprises comme Fago, par exemple. On a Fago qui est cette entreprise de textile. On a Patagonia qui a tout récemment annoncé donner ses bénéfices à la nature, à la protection de la nature. Donc oui, on a plein de d'exemples hyper inspirants. Et je pense que c'est ce qui attire aujourd'hui la jeunesse dans ce sens-là, d'avoir cette visée régénérative. Alors ici, au Luxembourg, il y a quand même beaucoup d'entreprises dans le secteur financier, notamment. On pourrait se dire, bon, on est un petit peu éloigné de la problématique, on ne voit pas trop comment agir, mais il y a un énorme besoin de financement, en fait, de cette nouvelle économie régénérative. Exactement. On a besoin de donner les moyens à ces entreprises d'exister, de développer leur modèle et leur business. On a aussi besoin de réorienter ces flux financiers vers quelque chose qui a du sens. Et effectivement, mettre ces flux financiers dans quelque chose qui détruit la planète, qui la réchauffe, et de la biodiversité aussi, ça n'a pas de sens. Donc il faut effectivement avoir une stratégie à visée régénérative. Ah, donc un message, si vous l'avez compris, et d'agir à tous les niveaux. Merci Charlène de nous avoir accompagnés tout au long de ce forum. Merci. On a bien compris les enjeux et puis la nécessité d'agir au plus vite. Un petit mot peut-être pour la fin, avant de se quitter. Il y en a tellement. Je suis française aussi. Alors, en un mot, bah, toujours le même, ralentir. Et vraiment ralentir nos vies en même temps qu'on va ralentir le cycle de l'eau. Merci beaucoup, Charlène. Je crois qu'on peut vous applaudir. Je passe la parole à Nancy qui, justement, veut nous parler de l'engagement d'IMS sur cette thématique essentielle qui est l'eau. Merci Charlène, merci Marie. En effet, IMS, donc, vous l'avez compris, considère la thématique de l'eau comme un enjeu prioritaire. Les entreprises qui souhaiteraient approfondir cette thématique peuvent d'ores et déjà nous contacter au travers de la Sustainability Academy, puisque Charlène, notamment maintenant, vient de l'intégrer. Et nous souhaitons aussi vous lancer un appel plus large, puisque nous aimerions mener une action collective avec un maximum d'organisations à Luxembourg, un véritable mouvement qui nous fédérerait autour de cette thématique de l'eau. Dès 2024, nous lancerons un projet. J'aimerais donc savoir si vous êtes intéressé à rejoindre une telle initiative, si vous seriez prêt à agir à nos côtés. Pour cela, un QR code s'affiche derrière moi. Nous avons donc quelques questions pour vous, si vous pouviez le scanner et y répondre. Sachez que ce n'est pas engageant, donc si vous répondez quelque chose, on ne vous poursuivra pas avec ce que vous avez répondu là. L'idée, c'est de comprendre un peu quels sont vos enjeux et ce qui pourrait potentiellement vous intéresser. Je vais inviter Marie à me rejoindre puisque nous sommes là pour clôturer le forum. Merci. Le micro fonctionne, ça sera mieux. Ça y est, c'est parti. Alors, merci Nancy. Après ces appels à l'action et à l'engagement, on va retrouver la troupe merveilleuse du collectif Minuit 12 pour leur dernière tranche de spectacle. J'en profite pour vous dire que vous pourrez retrouver donc ces danseurs et danseuses le 30 novembre à Paris au Musée d'Orsay pour une nocturne in situ. Je pense que c'est très prometteur. Donc c'est une plus grande troupe. Hein. Vous avez vu 5 danseuses, mais ils sont encore plus nombreux. Et dans l'immédiat, donc, je vous rappelle qu'il y a un cocktail qui vous attend donc immédiatement à la sortie. Ça va être l'occasion de se retrouver et que vous pourrez trouver aussi l'intégralité du forum sur la chaîne YouTube d'IMS. Je vais maintenant inviter l'intégralité de l'équipe IMS à nous rejoindre avec Marie, puisque sans elle, ce forum ne pourrait s'organiser. Parce qu'on peut les applaudir. Voilà. Donc merci à Laetitia et Sarah pour l'acte Water, à Alexia, Jenny et Laetitia pour l'acte Travel, Anna et Melissa pour l'acte Style, Célia, Laura, Carla pour l'acte Food, Sophie et Pierre pour l'acte Job, Lucie et Louise pour tous les aspects logistiques et communication. Pour tous les changements de décor et préparatifs, Anne, Gabriella, Pierre, Vanessa, Alicia, Mélissa, Gilles, Emma et Béatrice. Donc vous voyez que l'équipe IMS est bien grande. Et puis petit clin d'œil à notre collègue Priscilla qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui doit nous suivre. Et puis je voudrais qu'on applaudisse encore plus chaleureusement particulièrement Marie et Nadia. Nadia, si tu veux venir avec nous s'il te plaît. Parce que ce sont les deux cerveaux et les quatre mains de ce forum.
Voilà, merci beaucoup à toutes les deux. Je remercie aussi les équipes de Freelance qui sont notre partenaire chouchou sur le forum, avec qui nous faisons toute la réalisation technique depuis de longues années et franchement, on les adore. Les équipes de Bilab Benelux, parce que voilà, c'était un fil rouge aussi du forum d'engager des entreprises qui justement ont une mission et un sens. Donc merci pour cette belle collaboration. Les équipes de Lux Expo pour cette salle incroyable qui nous a permis cette mise en scène. Le collectif Minuit 12 que nous allons retrouver juste après, nos improvisateurs et tous nos speakers. Notez bien que le LSF est aussi un événement Green Business Event et donc on y a travaillé pour faire attention à tous les aspects de développement durable. Et bien sûr, je dois finir évidemment en remerciant aussi à nouveau nos sponsors parce que je ne cesse de le répéter, mais sans eux, nous ne pourrions pas faire ce forum. Donc ArcelorMittal, la Banque de Luxembourg, la Banque Européenne d'Investissement, BGL BNP Paribas, Lux Expo The Box, PwC et Société Générale. Et nos deux partenaires publics, le ministère du Développement Durable et le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Aura permis de bien décrypter les enjeux de cet objectif de développement durable numéro 12 sur la consommation et la production responsable. Évidemment, les équipes sont entièrement disponibles pour échanger avec vous sur ces sujets puisque nous avons aussi des projets liés au sujet que nous avons abordé. Nous avons décrypté ainsi les enjeux autour des différentes scènes de notre vie économique, mais surtout, nous vous avons expliqué comment passer à l'action. Acting for Real Change, c'était le sous-titre et la conclusion de ce forum. Et désormais, place au spectacle. Et merci, merci et à l'année prochaine. Move to the funky beat.